Fait. Voilà, donc on va pouvoir reprendre où on en était arrêté la semaine dernière, parce que le dernier épisode a quand même quasiment une semaine. Oh Gonzwax, comment va? Comment va dans le bendo? Comment va, comment va? Du coup, la semaine dernière, on était arrêté sur un match nul face à Niort, leader du championnat. Le 4-2-3-1 qui tournait plutôt bien, c'est vrai. On sortait de plusieurs matchs d'affilée sans défaite. D'ailleurs, au niveau du calendrier, comme on peut constater là, il n'y a pas beaucoup de verre, hein, par contre, il n'y a pas beaucoup de verre. Mais on a quand même réussi à chercher une victoire contre 3. On est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée sans défaite. Alors bon, il n'y a qu'une victoire, après c'est que des matchs nuls. Mais au moins, on a trouvé une tactique où on ne perd pas. Après, il serait peut-être temps que ça tourne enfin. Donc là, on a un 7e tour de Coupe de France. Face à une équipe dégueulasse, logiquement, on devrait les cartoucher. Et j'espère qu'on va les cartoucher. Comme ça va nous permettre de. Ça va nous permettre, en fait, d'enchaîner directement. Pour le moral, pour la confiance. Ça fait toujours du bien, en fait. Tu voulais pas te faire rembourser? Si, si, je me suis fait rembourser, merci. Ils m'ont remboursé la capote, hein, parce que très clairement, on est loin d'une perruque. Ils m'ont remboursé, mais en fait, Amazon, genre, ils m'ont dit, en gros, ça sert à rien de la renvoyer, donc tu peux la garder, on te rembourse. Donc ils m'ont remboursé les 5 balles, et je l'ai gardé, mais je l'ai foutu à la benne. Younes, comment va? Younes, comment va? Tréro, comment va? Bonjour à ceux qui arrivent. Hein. Bonjour si j'ai raté des bonjours. Ça fait longtemps que t'as pas live? Non, ça faisait une semaine. Ça fait une semaine que j'ai pas live, Tréro. Mais je l'avais plus trop ces derniers temps. J'avais pas de manette en fait, donc je pouvais vraiment pas jouer à FIFA. Là, j'en ai racheté une. Finalement. Hein. 20 balles. Il y avait des manettes filaires à 20 balles sur Amazon. Donc je me suis dit, bon, on va en prendre une. Donc j'en ai acheté une. Et bah, on a joué. D'ailleurs, il y a une revue de Erling Haaland qui est sortie tout à l'heure. Donc si tu ne l'as pas vue, toi qui regardes ce live, n'hésite pas à aller la checker un petit peu plus tard, après ce live par exemple. D'ailleurs, le Haaland, je m'attendais pas à ça. Je suis revenu en balle. Je suis revenu 10 jours sans jouer. On a cartouché tout le monde aujourd'hui. J'ai cartouché tout le monde. Que des branlés. Haaland, c'est une boucherie. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller le récupérer. Là, donc, on avance tranquillement. Ça va tranquille, hein, ça va tranquille, Younes. Une semaine chargée, hein, vu que demain on taffe toute la journée. C'est d'ailleurs pour ça que je live aussi tard, parce qu'en fait je veux liver de sorte à avoir une vidéo à vous balancer demain. Donc demain il y aura la rediffusion de ça sur la chaîne YouTube. Comme ça fera du. Romain avant-centre expérimenté, absent 5 à 6 semaines. En fait, vraiment, ce club il est maudit. Quand ça commence à tourner correctement, t'as des blessures qui sortent de nulle part, des blessures de 2, 3 mois, 8 mois. C'est chiant, franchement, c'est très très chiant. Lotaro aussi, faudrait. J'ai pas regardé le prix du Lotaro, il coûte cher le Lotaro TOTGS, parce qu'au pire, c'est vrai que je pourrais enchaîner sur lui, hein, très clairement. Peut-être, ouais, au pire, demain soir, quand je rentre, je commence à jouer un peu. Je reporte pas forcément de live, mais peut-être commencer à tourner pour essayer de balancer une review. Une review genre mercredi ou jeudi, c'est vrai que ça peut être intéressant. Rien du tout. Moins de 100K. Moins de 100K. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que là, en vrai, dans l'équipe, j'ai qui? Dans l'équipe que j'ai, là, le Partey, le Odegaard et le Haaland, je peux les revendre. Et je pense que je remonterai quasiment au niveau de son prix. Ouais, ça se tente, pourquoi pas. Pourquoi pas le tenter Pourquoi pas le tenter, on verra bien. Parce que c'est vrai que le Lotaro, quand j'avais testé le boost, j'avais trouvé vraiment très bon. Donc, pourquoi pas tester le TOTGS. Après, ça ferait peut-être deux vidéos en peu de temps sur le Lotaro. Mais après, c'est vrai que le Lotaro, pareil, hein, comme le Haaland, c'est un joueur qui va sûrement être up. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'est la carte qui montait, mais non, il va sûrement être up par rapport à. Par rapport à son niveau en février. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose qui peut se tenter. Ça fait deux semaines que je fais pas Future, quel plaisir. Franchement, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Parce que la semaine dernière, j'ai exposé ma manette. Et non, j'ai voulu relancer la semaine dernière, j'ai explosé une manette, tu vois, tu comprends direct. Après, c'est vrai que ma manette, elle commençait à être problématique. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, dès que je faisais des vidéos, dès que je faisais des lives, ça disait, ah, ta manette, elle grince. Là, celle-là, franchement, vous entendez rien. Enfin, vous m'entendez appuyer. Mais vas-y, on est sur une manette qui fait peu de bruit, hein. Vous entendez? Il n'y a pas de grincement, tu vois. Donc, on est sur une nouvelle manette, une manette toute neuve. C'est le renouveau. C'est section d'assaut, le renouveau. Ça sort du lot. Voilà.
pour ceux qui ont la référence, le son sur la tectonique. Et voilà, donc du coup, 62 000 crédits, écoute, oh, c'est vrai que ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant, c'est accessible en plus. Et j'ai pas regardé ses stats in-game, mais comme il a pris, je crois qu'il prend plus 2 par rapport au boost, il doit être pas mal boosté. Donc du coup, là on va jouer notre premier match contre l'association sportive de Erstein. Ça va risquer d'être un live qui ne sera pas très long. Je pense que d'ici, ouais, je pense qu'on va essayer de couper grand max à 21h30. C'est même possible qu'on coupe avant. Parce que pareil, je dois bouger après vite fait. Je dois passer chez mon oncle, lui déposer un truc. Du coup, ça sera peut-être un épisode plus court que les autres. Mais on va quand même essayer de... On va quand même essayer d'enchaîner. Ça lag ou c'est moi? C'est possible que ça vienne de moi. Hein, parce que mon PC là, il commence à... Ouais. Si, si, ouais, j'ai des pertes d'image, c'est pour ça. Mon PC commence à être réellement fatigué. C'est mon PC. Là, j'ai réussi à parler. Je suis en train de parler en DM avec Shadow. Je suis pas en train d'essayer de gratter un abonnement ou autre. Hein. Peut-être des gens vont se demander ça. C'est juste qu'en fait, je vais voir s'il y a possibilité de prendre l'abonnement maintenant et s'il y a possibilité d'avoir un accès anticipé du coup à leurs offres. Parce que là, le problème avec Shadow, c'est qu'en fait, si tu prends un abonnement maintenant, tu n'as pas de... Comment dire? Là, tu dois attendre février que les offres commencent. Et moi, je vais pas vous mentir, là actuellement, mon PC, il Et est en merci! train de péter un plomb. Oh, le sub de Shiro Black, merci frérot pour le sub, ça fait super plaisir. T'es déjà à ton 24e mois d'abonnement. À noter que dans 12 mois, tu auras l'émote spécial. Voilà, il y a un émote spécial. Shiro Black, sub shard, reward to 5. C'est quoi ça, les trucs des rewards? J'ai rien compris. Mais du coup voilà, mon PC il rame. Je suis en train de voir avec Shadow s'il y a possibilité de pourquoi pas gratter un truc anticipé, on va dire. Et ce qui me permettrait justement de. Bah, ce qui me permettrait en fait de pouvoir restreamer directement dans des meilleures conditions. Voilà. Vu que le PC, bah, Shadow, c'est par rapport à la connexion. Et ma connexion est quand même assez intéressante. Donc allez, c'est parti. On va jouer notre match face à cette équipe toute faible, donc logiquement on devrait le faire. Il a donné 5 émotes à des gens. Ah, d'accord, très bien, très bien, très bien. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah oui, si, j'avais lu un truc, là, je crois, je sais plus quand c'est passé. Maintenant, il y a un délire comme quoi tu peux prêter des émotes aux gens, ou je sais pas quoi, comme ça, les gens, ils peuvent tester les émotes, ce qui pourrait leur donner envie de se sub. Ouais, c'est un truc, là, j'ai vu ça vite fait dans les nouveautés Twitch. Alors après, en ce moment, je streamais pas énormément, donc c'était compliqué, mais voilà. Est-ce que la Switch vaut le coup, sachant que mes potes ne l'ont pas? Si tes potes l'ont pas... En fait, la Switch, ça dépend. Si tu te déplaces beaucoup, c'est intéressant. Parce que avion, train, c'est quand même très cool la Switch. Après, t'as quand même des hits sur Switch, des jeux solo comme Luigi's Mansion, Zelda, t'as quand même des gros jeux, tu vois, en solo. Après, t'as quand même des jeux sympathiques pour l'online. Même si c'est vrai que l'online Switch est plutôt moyen. Je pense à Smash, je pense à Mario Kart. C'est quand même une console à avoir. Faut pas se mentir, c'est une petite console à avoir. Donc là, on va en demander plus. Il a donné. Non, c'est dès que quelqu'un sub, il en reçoit 5. Ah, d'accord. Oh, très bien. Bon, bah, je sais pas. Je ne savais pas du tout. On en apprend tous les jours. C'est tout nouveau alors. J'ai cru que j'allais prendre un but contre eux. En tout cas, on mène 2-0. Donc c'est bien. Donc c'est plutôt bien. Pour une fois qu'on arrive à dérouler dans un match, ça fait plaisir. Alors, on cadre toujours pas. Hein. On se tire 3 cadrés. Il y a toujours autant de déchets, mais bon. Enfin, de toute façon, je crois qu'on va devoir faire avec toute l'année. En fait, ce qui pourrait être ça, 3 heures. Ouh là là, il se fait. Il y a un retour. Il y a un retour. Ah non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Bon, il y avait un retour, mais il y avait hors-jeu aussi. D'ailleurs, Younes, on entend toujours ton sub. Hein. J'ai quand même acheté une perruque pour toi, principalement. Le sub n'est toujours pas là. Je me demande pourquoi. Wesh, wesh, comment va? Bien et toi, Rolotov? Mara, ouf. En tout cas, ouais, là ça déroule plutôt bien. Ça déroule plutôt bien. Trop sûr de lui. Je vais les féliciter parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'ils gagnent 2-0, c'est trop du cul.
Surtout rapidement dans un match comme ça. Ménez a pris un jaune. Ménez va trouver le moyen de prendre un rouge, vous allez voir. On connaît l'équipe. Voilà, Kanté, parfait. Martin, Sarr, Jérémy Ménez, centre. Non. Non, non. Mara. Voilà, 3-0. 3-0. Mohamed Mara qui avait demandé du temps de jeu dans l'épisode précédent. On lui en donne. Il répond présent. Et c'est tant mieux. Oui, ça va, plus de FIFA ou quoi? Si, 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 FIFA, ça y est, j'ai repris tout à l'heure. J'ai repris tout à l'heure. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. La revue du Haaland. Si tu n'as pas vu, va la voir. Je la remettrai peut-être après en lien. Même Younes, si tu veux la mettre, n'hésite pas. En lien sur Twitch, pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Et là, ça y est, on reprend les reviews. Je vais reprendre aussi peut-être les vidéos un peu live comme la dernière fois. Alors, c'est des vidéos peut-être plus chiantes à faire. Mais vas-y. Là, en fait, j'ai. Cette semaine de repos m'a fait comprendre pas mal de choses. Et vas-y, FIFA, maintenant, je vais jouer, mais à la One Again. Ça y est, j'ai. On reprend comme à l'ancienne. Vraiment, on part sur des bases de n'importe quoi. Puis voilà, on va essayer de partir sur un créneau plus dans l'humour. Bon, il y aura toujours un peu de review. Mais on va essayer de repartir sur un créneau un peu plus humoristique. Parce que de toute façon, il n'y en a pas sur ce jeu. Et vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme dit le proverbe, le dicton. Hein? Yo Fat, yo Gali. Donc du coup, voilà, on va refaire un peu de ça. Bon, le FM, c'est un peu plus sérieux. Bon, même si on peut rigoler dans le chat. Hein. Moi j'attends la revue sur Benzema. Benzema j'ai pas fait encore. Je sais pas si je vais le faire en fait. C'est ça le problème. C'est que. En fait je me tâte à le faire. Je me tâte réellement à le faire parce que le problème c'est que c'est quand même pas mal de crédit je pense. Et je sais pas si ça vaut réellement le coup en fait de poser autant. Surtout que niveau crédit je commence à être un peu à sec moi. Elle est où la perruque chauve? Ah elle est à la poubelle, ça y est, on l'a mis une fois, c'est bon, c'est bon, le folklore, on aura bien rigolé. Mais là, à un moment donné, il faut quand même se remettre en question, les gars. Hein. Oh, la perruque chaude, ça va bien 2 minutes. C'est marrant 2 minutes. Mais sinon, tu joues en live et tu balances. Ouais, après, faut voir, très gros, parce que là, comme du coup, je vais voir avec Shadow s'il y a possibilité de gratter un petit accès anticipé. Si justement la connexion et tout me permet de tirer en live en 1080p, 60 fps, tout ça. On va même pas se prendre la tête, hein. On va faire ça et limite, ouais, on fera bah, comme tout le monde fait. Je crois qu'il y a Max fait ça au final. Hein. Les matchs un peu épiques qui jouent en live, ça se retrouve sur YouTube. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure des solutions, tu vois. Bon, après, moi, j'ai pas de monteur ou autre, mais pff, on peut faire nous-mêmes. Hein. C'est pas ça, c'est pas un souci. Et à quand un live club pro? Alors, le live club pro, je pense que je vais m'y remettre sérieusement. Ça serait plus dans le week-end, par contre. Parce que le truc, c'est que la semaine, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'adapte un peu quand on joue en club. À Kiefer. Kiefer étant aux États-Unis, il y a quand même 6 heures de décalage. Moi, je travaille la semaine. Avant, je travaillais pas le mercredi. Maintenant, je travaille le mercredi matin. Du coup, je me lève à 7 heures, hein, le mercredi. Et ce qui se passe, c'est que bah, je peux pas me permettre de me coucher trop tard, tu vois. Par exemple, là, ce soir, enfin, habituellement, je me lève à 9h30, tu vois. Je taffe, mais je me lève à 9h30. Là, demain, je taffe toute la journée, donc je me lève à 7 heures. Donc, les jours comme ça, tu vois, c'est plus compliqué. Et en fait. Généralement, si on fait du club, c'est plus à des heures, style, vas-y, 23h, minuit, qu'on commence à jouer réellement. Et donc, vraiment, si je devrais faire du club en semaine, ça serait pas réellement intéressant dans le sens où ça, on commencerait relativement tard déjà. Et ça serait très court. Donc, en vrai, je me dis, voilà quoi, tu vois. Merci pour Malen, il était pas mal. J'ai fait une équipe autour de lui, une belle Eredivisie avec une ligne. Mais comme tu dis, il est bon, mais pas assez bon contre les gros défenseurs. Bah, le truc, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il était très bon. Hein. Il était très 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 bon au début. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que vas-y, on s'est retrouvé très rapidement, encore une fois, dans FIFA, avec un énorme nombre de gros défenseurs qui sortent. Là, tu vois, t'as un moment où au niveau des trucs rivales, soit Picone. Bah, tout le monde commence à avoir des Ferdinand, tout ça. D'ailleurs, moi, je vais mercredi après-midi, je vais sûrement live pas mal pour bah, avancer dans mes défis, soit parce que j'ai toujours pas avancé et il va peut-être falloir aller le récupérer, le Ferdinand, depuis le temps. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, dans le sens où tout le monde commence à avoir des putains de défenseurs maintenant. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir streamer en 1080p, 60 fps. Et ensuite de pouvoir récupérer les rediffs en top qualité, direct tu fais ton montage derrière, tu vois. Mais
c'est un gain de temps considérable et pas négligeable. Donc c'est pour cette raison que là, tu vois, si les frérots de chez Shadow, ils peuvent nous dire, ouais, on peut t'avoir le, tu payes, on peut t'avoir l'accès anticipé, il n'y a aucun souci. Moi, je suis même pas en train d'essayer de le gratter, hein. De base, je comptais payer. Jiménez pour le deuxième but, pour son... Ah non, c'est ce que son premier but, il a mis un but et trois passes D. Par contre, là, on les a bien défoncés. J'espère que ça va leur faire du bien au moral à mes joueurs. Parce que 8-0, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours que ça arrive hein, dans ce club-là. C'est tellement à chier les défis. Ouais, c'est vrai que les défis, franchement, j'espère que pour les prochains, ils y mettront un peu, ils y mettront un peu du leur, quoi. Parce que là. Là, par contre, j'ai vu, il y a un petit défi sympathique là pour aller chercher un petit joueur Europa League. Bon, il est pas. Il a pas non plus une carte, il a pas non plus une carte exceptionnelle. Enfin, il a des statistiques in-game intéressantes. Après, dommage qu'il a pas d'agilité, il a 3 étages de technique. Mais on est sur un joueur plutôt sympathique là, le mec des Glasgow. Et en plus, les défis pour le coup, ils sont cool parce que c'est sur les matchs amicaux. Donc c'est vrai que ça peut être sympathique quoi. Alors, Mara bat tous les records. Record de la large plusieurs. Le victoire 8-0 du Paris FC hein, constitue un nouveau record. Le précédent record du PFC était la victoire 2-0. Eh, quand je vous dis que c'est une équipe qui marque pas de but, notre record c'était une victoire 2-0. C'est quoi ce pro? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est le problème? Bon, du coup, là j'espère qu'au niveau du moral et tout, ça va leur faire du bien. Parce que là, on va faire un petit déplacement à Nancy, qui est 7ème. Et on veut enchaîner, nous, on veut enchaîner. Parce que là, ça y est, à un moment donné, il faut. Tu vois, faut y aller, faut y aller. Amical sportif de Vitré. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on continue de jouer des équipes éclatantes en Coupe de France. Donc au moins, en Coupe de France, on va prendre du... Comment dire? On va continuer de prendre du moral, tu vois. On va continuer de d'avancer. Et ça fait du bien. Ah aussi, je retirais de la sélection. Bah, ils ont pas voulu me prêter. Diaby Fadiga recommande... Il était à ça... Il reprend quand? Blessure. Une vertèbre touchée. Encore 3 cette semaine, hein. C'est waouh! Match internationaux. Vous d'ailleurs, pour ceux là sur le chat qui jouent à FM, et puis même pour ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube, ça dit quoi vos parties FM? Vous en avez fait un peu? Vous en êtes où? Vous avez avancé? Quelle saison? Etc. Sur votre partie la plus avancée, parce que moi c'est vrai que j'ai plusieurs parties. N'hésitez pas, on peut discuter tranquillou. On peut discuter tranquillou. Moi ça me permet de meubler un peu parce que. FM, c'est un jeu où on a la possibilité de parler. C'est pas comme FIFA où t'es à fond dans ton match et tout. Bon, là, faut quand même te concentrer un peu, mais dans l'ensemble, c'est un jeu où voilà, on a quand même des temps où on peut un petit peu papoter. On va remettre lui. Parce que le problème de Ivan Denis, c'est que tu vois, au niveau de la note, sa note moyenne, elle est faussée parce qu'il a fait un putain de match juste avant. Tu vois, là, il y a beaucoup de joueurs, ils se retrouvent dans le vert, mais c'est suite au match qu'ils ont fait précédemment, quoi. Ah, je vais remettre Yohou. Attends, lui, je vais peut-être le mettre dans son vrai poste, c'est-à-dire défense en son. Peut-être le mettre en stopper, tu vois, au moins. Habilité, tac, 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 tac. Bon, on va jouer comme ça. Ouais, ce match-là, on va jouer comme ça, on n'a pas forcément le choix. Hein. On a quand même beaucoup de blessures, puis 3 pas qui est parti. Je crois que lui m'a demandé. Lui, il était mécontent de son temps de jeu. Attends. Attends. Je joue avec lui en défense centrale. Il était en défense centrale, lui. J'ai pas rêvé. Ah non, c'est lui. C'est ta... J'ai rien dit. J'ai eu un... Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, il y a un problème là. Là, il y a un problème, mais non, non, c'est pas du tout ça. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Laissez-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'entends des voix. Le mec complètement taré. Attends, on va mettre qui sur le banc du coup? On va mettre Pitou. Non, tu sais quoi, Pitou, on va le laisser. Lui, on le fera peut-être rentrer. Non, ouais, on peut pas se permettre de pas mettre Menez en fait sur un match comme ça. C'est quand même un gros déplacement, c'est une équipe un peu compliquée à gérer, je pense. Nancy, ils sont 7ème. Faut quand même assurer, tu vois. Faut quand même y aller. Faut. Voilà.
J'ai tant de victoires aujourd'hui, voilà. En plus de ça, ils sont motivés, c'est tant mieux. T'as vu ce qu'il a eu, Arthur Petit? Je chiale, bordel. Bah justement, je sais pas du tout ce qu'il a eu, Arthur Younes. J'ai vu tout à l'heure ça en parler. J'ai vu des gens parler de sida, donc c'est pas forcément très drôle, hein. Mais au final, on sait absolument pas ce que c'est. Moi, j'ai pas trop suivi l'histoire, tu vois. Yo, moi aussi je vais me lancer en Allemagne pour aller chercher le Bayern niveau trophée, mais je sais pas qui prendre, tu me conseilles qui? Bah, je pense que tu peux prendre l'actuel leader en Bundesliga, hein, Mönchengladbach, ça peut être un petit challenge sympathique, hein. Ils ont quand même des bons petits jeunes, franchement ça se tente, hein, Mönchengladbach. Salut Pep, salut Jason, ça va? Leipzig, je pense que ça reste facile en fait, dans le sens où bon, ils ont peut-être une équipe inférieure au Bayern, hein, mais ils ont quand même des bons joueurs déjà, des bons jeunes, du coup, grosse capacité d'évolution. Et je pense qu'en termes de budget, oh, j'ai peur. En termes de budget, ça doit être quand même assez intéressant, Leipzig, parce que c'est Red Bull derrière, tu vois. Il a une MST, sérieux, il a chopé une MST, mais c'est pas une grave MST du coup, c'est un petit truc. Et c'est pour ça qu'il est absent, genre, il est absent du coup, non? J'ai vu que Messi était absent. D'ailleurs, je crois que ça va apparaître sur l'Inter demain. Vu qu'il n'y a pas Léo Messi. Hein, vu que sans Messi, vous êtes un peu rainé, hein, Younes. Salut Fat, je n'ai jamais joué à Football Manager. Tu me conseilles le FM20 normal ou le FM. Normal, normal. Touch, c'est la version allégée en fait. Donc normal, normal. Salut Fat, salut. Bonjour à ceux qui arrivent. Hein. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur ce live. Assez tard, hein, d'habitude c'est plus dans l'après-midi. Allez, attention, Sar, 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 Sar. Sar encore? Martin? Oh là là, il a tapé dans le défenseur. Je sais pas si c'est grave, mais ouais, il est forfait pour ça. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Mais y a pas un délire en plus comme quoi se vise préserver ou je sais pas quoi pour sa femme, un peu comme David Luiz? C'est dans la religion au brésilien là. Si c'est vrai, ça craint. Genre, genre le mec il fait ce vie, ouais, moi je suis puceau, j'attends la bonne personne, nan, 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 il chope une MST. J'arrive, ça parle de MST Star. Non mais c'est ça parle de Arthur, apparemment Arthur a chopé une MST, ce que disait Younes. Oh! Mouton, Mouton? Kanté, Kanté, Martin, Martin, oh là là. En tout cas, là, on fait un match plutôt complet. Ça faisait longtemps. On est bien là dans ce match, on est bien, on est bien. On a des occasions et tout, c'est la folie. Je vais les féliciter, tiens. On va féliciter nos jeunes joueurs. Kanté, oh Kanté, oh Kanté, Kanté toujours. Ça tape dur, ça tape dur. Mandouki, bang. Même en ayant une MST, les meilleurs que tous vos milieux, c'est bon. C'est très bien, Younes, que tu y crois pas, en fait. Parce que tu sais très bien que tant que Marco Verratti est là, ça ne peut pas être vrai. Et tu le sais, Younes. Et Arthur est un joueur exceptionnel, hein, et tu sais très bien que j'ai énormément de respect pour lui. Hein, que j'aurais. Que moi, si jamais il y avait des joueurs à récupérer dans un éventuel deal avec le roi, pour le roi Neymar, et pour moi, c'était le numéro 1 à prendre. Mais là, on parle quand même de Marco Verratti, hein, en face. Et... Margo, Margo! Verratti. Toi, tu vas voir ta gueule. Oh là là, putain, on n'est pas passé loin du 3-0 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le 4-2-3? Non! Oh non, pas le 2-1 avant la mi-temps. Pas le 2-1 avant la mi-temps, les gars! Mais non! Bien joué la défense! Qui me fait peur, c'est que j'ai mon arrière droit, il a un jaune déjà, donc je pense que lui va sortir. Sar, 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 Martin. Ouf. De Jong, je suis très sale, les meilleurs cette saison. Ah, mais De Jong, c'est absolument n'importe quoi. Tu sais très bien, Younes, tu sais très bien, tu sais très bien, Younes, tu sais très bien que j'ai la haine, qu'on l'a raté. D'ailleurs, là, je sais pas si c'est réel, hein, mais enfin, la dernière fois, l'agent De Jong, ce bâtard, il a dit quoi? Il a dit. Quand j'ai annoncé à Tourelle que finalement on avait choisi Barcelone, apparemment Tourelle il était en larmes. T'imagines gros? Alors je sais pas si c'est vrai.
Je sais pas si c'est vrai, hein. Mais déjà j'imagine trop la scène, Tourelle en larmes, genre non, t'es à genoux, non. Mais je pense que c'est fort possible parce que moi je vois bien Tourelle avoir fait. Limite, il avait déjà préparé cette saison-là à l'avance avec De Jong en mode pilier, tu vois, au milieu, avec un milieu De Jong, Verratti et probablement Idrissa Gueye, tu vois, si on l'aurait fait. Parce que là, ça va pas. Là. Là, ça va pas. Mais toujours est-il que voilà, tu vois, c'est quand même comique comme truc, tu vois. Mais franchement, pour moi, c'est possible. Hein. Pour moi, c'est possible ça. Parce que Tourelle, je le vois bien préparer ses trucs à l'avance. Il avait préparé des plans avec un milieu genre Verratti De Jong. Ce qui aurait été absolument de la triche, hein, très clairement. On serait parti sur un milieu de bâtard. Et non, au final, ça lui retire au dernier moment. Eh non, non. Voilà. Je préfère le milieu Busquets De Jong Arthur Poto. Ouais, bah ouais. Il s'est rendu compte qu'il allait devoir jouer avec Paredes. Paredes, j'en peux plus, franchement. Le 3-0, Florian Martin, let's go. Parfait, parfait, parfait. Parfait, les gars, parfait, parfait. On est bien dans ce match. Allez, on se concentre, les petits gars. Oh, Mara, Mara, Mara. Oh. Mais c'est un carnage, là, ça y est. On a vraiment trouvé le dispo qui tourne. Ça tourne enfin. Ça tourne enfin pour nous, les gars, dans ce jeu. Ça y est. Non, 47 millions, Younes Paredes. 47. C'est pas 45, c'est 47. Il y a quand même 2 millions de plus. N'oubliez pas, c'est quand même 2 millions d'euros, hein, c'est pas rien. 47 millions, les gars. Et encore, je crois, il y a des bonus. Putain, c'est un vol. On s'est fait baiser, mais. Oh. Et moi j'étais emballé, parce qu'en vrai de base on avait Sun Pair au milieu, je me suis dit bon vas-y, c'est cool. Mon œil. Mon œil. Tu l'as acheté Menez ou il était déjà là? Bah il est là Menez, il est au PFC cette saison Menez. Le problème en prenant De Jong au PSG, on aurait eu un milieu de joueurs qui mesure 1m50, c'est pas dingue. Bah non, De Jong il est pas si petit que ça, il fait 1m80, tu vois, c'est pas. Il est plus grand qu'Idrissa Gueye, hein. Quand t'as un milieu de terrain, Idrissa Gueye, Marquinhos, Verratti, au niveau de la taille, t'es quasiment dans les mêmes standards, hein. Parce que Marquinhos c'est pas si grand que ça. Alors, il est une énorme détente, hein, y a aucun souci, mais. T'es pas non plus sur. T'as pas de mec au milieu qui. T'as pas de tour de contrôle, hein. Franchement. De Jong, il fait 1,80. De Jong, il fait 1,80, 1,81. Marquinhos, il doit être à 1,82, 1,83. Il est pas non plus. Il est pas si grand que ça, Marquis. Hein. Et Gay, il fait 1,75, je crois, quelque chose comme ça. T'as des infos pour le mercato d'hiver ou Walou? Rien du tout, frère. Franchement, je pense que Paris, ils vont rien faire au mercato d'hiver. Peut-être qu'on prendra. Moi, enfin, les seuls trucs dont ça parle là, c'est. Ça parlait d'Alan, comme quoi, genre, ce qu'ils se disaient en Italie, c'est qu'apparemment, vas-y. On essaierait de se le faire prêter par rapport à sa situation et pourquoi pas l'acheter en été. Mais. De toute façon, là, ce qu'il nous faut, clairement, c'est. Je pense c'est un milieu. Hein. Bon, peut-être un latéral droit. Après. Ah si, ça parlait Desegli, de l'arrière-droit italien, là. Faut voir. Franchement, faut voir. Mais ouais, à part peut-être un latéral droit, un milieu de plus, je vois pas trop ce qu'on pourra aller récupérer. Hein. Puis en plus de ça, je sais même pas niveau budget ce qu'il en est au niveau du PSG. Faut voir si on va vendre cet hiver. Hein. Faut voir si on va vendre cet hiver. Ça parle d'essayer peut-être de vendre Kurzawa. Ça parlait de Kurzawa. J'ai vu que ça parlait de enfin, il y a des clubs qui sont intéressés par Meunier, par Dagba. Bon, Cavani, évidemment, ça reste le. Le flou, est-ce qu'il partira cet hiver ou partira gratuit en été? J'en sais rien. Mais il y aura plein de facteurs qui vont rentrer en jeu pour l'éventuel mercato. Un Martin en grande forme. On va féliciter Martin. Merci, coach. Eh oui, Martin. Martin, on te le dit. On te félicite, Martin. Hein?
qui va l'acheter, Lévin? Eh, hey, Kurzawa, je suis sûr, un club anglais en galère là, dont. Tu sais, il y a tous les clubs anglais là, les petits clubs anglais qui jouent le maintien, ou même ceux qui jouent le milieu de tableau, qui pourraient espérer justement, tu sais, qui veulent se. Plus ou moins se sauver. Ils ont du pognon, les clubs anglais. Moi, je pense un club comme ça, il peut aller péter un Kurzawa, franchement. Alors après, est-ce que Kurzawa voudra aller là-bas? C'est toute la question qui se pose. Mais est-ce que Kurzawa peut prétendre à mieux? Je ne pense pas. Ouais, c'est vrai que Cancelo l'a raté. Hein. Tout le monde l'a raté. En plus, il joue même pas. Pep ne le fait pas jouer. Donc bon. Incompréhensible, ça d'ailleurs. C'était probablement le meilleur. C'était probablement l'un. Enfin, non, il y avait Arnold. Mais avec Arnold, c'était probablement les deux meilleurs latéraux. Hein, les deux meilleurs arrière-droits sur la saison précédente. Pep te l'achète et il le fait pas jouer. Moi, je comprends pas. Genre Newcastle, voilà, Newcastle, typiquement, c'est un club où je pense qu'il pourrait poser 7-8 millions pour Kurzawa alors qu'il lui reste que 6 mois de contrat, tu vois. Je pense qu'ils peuvent le faire. Pourquoi tu joues en caméra 2D? Parce que Mehdi, je sais pas si t'entends, mon ordi il souffle à la mort. Et en fait, ça pourrait être problématique pour ce live. Je pense que l'ordi m'explose à la gueule. Non, mais en vrai, c'est mon ordi, tiens, pour la route, quoi. Mais si jamais. On va essayer d'avancer, on va essayer de voir hein, pour. Putain, j'ai encore. Mais tout le monde se pète dans ce club. Pour avancer, tu vois. Quand on sera sur Shadow, on pourra faire les trucs dans les bonnes conditions. Ça, le truc, oui, le club anglais aura les moyens. Après, le truc, Tréro, c'est de toute façon, s'il part pas dans un petit club anglais cet hiver, il partira dans un petit club anglais, certes gratuitement, donc peut-être qu'il aura une meilleure prime à la signature, mais. Franchement, qui, à l'heure actuelle, même gratuit, qui va prendre un Kurzawa, tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas. Je me pose réellement la question, qui prendrait un Kurzawa à l'heure actuelle, gratuitement? Je parle dans un club, on va dire, de haut standing. Il n'y a personne qui va le prendre. Mais Lucadine, encore, je sais pas, parce que Lucadine, c'est on taillait, hein, je t'ai promis à tailler. Mais vas-y, Lucadine, au final, les rares apparitions qu'il a fait au Barça, c'était pas non plus catastrophique comme ça aurait pu l'être au PSG sur la fin. À la Roma, bon, c'était plutôt moyen, mais vas-y, il fait PSG, il fait la Roma, il va au Barça, un peu incompréhensible. Et depuis qu'il est à Everton, il s'amuse, Digne. Après, moi, enfin, je suis pas forcément fan du joueur, puis en équipe de France, on voit bien que c'est plutôt moyen, hein, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt moyen. Mais non, c'est un joueur qui, au final, est plutôt. Il reste intéressant comme joueur, tu vois. Attends, hop, Timité, il va jouer, du coup, parce qu'il veut jouer. Au niveau des formes, on est où? Menez, il est blessé. On va mettre pis 3 poids du coup sur le banc. Et puis on va jouer comme ça, hein, qu'est-ce que je vous dise? On avance. Là, on joue une équipe qui est dans les derniers. Logiquement, on doit la taper. On a la maison. Là, on a trouvé la clé pour enchaîner les buts. Là, on a quand même mis 11 buts en 2 matchs. C'est le record du club. Hein. Je pense que là, on est sur le record. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire du PFC. Hein, même en vrai. Hein. Donc voilà. Kurzawa. Non, mais c'est ça le truc, c'est que Kurzawa ne joue plus au foot. Alors, je trouvais, même sans être mauvais. Enfin, là, je vais. Parce que je suis peut-être mauvaise langue de temps en temps avec lui. Je trouve qu'il fait un bon match contre Nantes, Kurzawa. Je sais pas pour vous, moi en tout cas, du stade, j'ai été au parc. Je trouve que du Parc des Princes contre Nantes, je trouve que Kurzawa fait un bon match. D'ailleurs, en première mi-temps, je pense que c'est le meilleur parisien. On sait dire aussi peut-être le niveau du PSG sur ce match-là. Mais je trouve que contre le FC Nantes, Kurzawa était plutôt intéressant, plutôt bon. Après. Mais comme je dis, hein, de toute façon, l'objectif du PSG là, c'est qu'il va falloir dégraisser un peu au niveau de l'effectif. Il faut aussi penser au fait que Kurzawa, c'est un salaire monstrueux. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs au PSG qui sont bloqués au PSG, c'est par rapport au salaire. Les mecs, ils ont. Ça les dérange pas d'aller au bout de leur contrat. Ils ont des salaires monstrueux. Kurzawa, je sais pas son salaire, mais ça doit faire peur. Hein. C'est relativement impressionnant le salaire d'un Kurzawa au PSG. Moi je comprends que les mecs ils veulent aller au bout de leur contrat. Par contre, ouais, c'est Sané, c'est Leroy Sané ça, c'est pas. On joue Rodez les gars. Faudrait peut-être se sortir les doigts. Parce que bon, vous allez vous taper Nancy, vous tapez Nancy à l'extérieur, vous mettez 8-0 une petite équipe. Vu qu'on va sûrement perdre contre Lorient, parce qu'on joue Lorient le match d'après qui est premier, faudrait aller chercher une victoire quand même pour ce. Pour continuer notre marche vers l'avant. Ok?
Donc là, ce match-là, moi, je veux une victoire. Tu vois, là, on est 9e. Bon, ça reste encore un peu, ça reste encore un peu faible. Mais bon, au moins, si on peut chercher des 3 points, des 3 points, des 3 points. Tu penses Thèse va prolonger? Franchement, je vois pas comment on pourrait ne pas le prolonger, en fait. Enfin, je vois pas comment ce serait possible de ne pas prolonger Thiago Silva. C'est notre meilleur défenseur. De toute façon, tu le vois bien encore, tu le vois bien sur les derniers matchs, encore une fois. C'est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. Il a 35 ans, il a 36 ans. Ok. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être des failles mentales et pas forcément un excellent leader, hein, c'est ce qui lui reprochait, pas forcément un excellent au niveau du leadership et tout. Mais en termes de niveau pur, voilà, Thiago Silva, tu ne peux rien lui reprocher là sur cette saison. Franchement, alors, si lui il est d'accord pour baisser un peu son salaire, parce qu'il a quand même un salaire monstrueux lui aussi au PSG, je pense qu'il est dans les top salaires d'ailleurs. Tu le prolonges. Je pense qu'il se rend bien compte qu'à son âge, voilà, il n'aura plus jamais un salaire aussi. Tu le prolonges, tu le mets d'accord, genre tu le prolonges d'un an ou deux, en lui disant on baisse quand même un petit peu ton salaire, parce que bon voilà. Moi je pense que déjà il sera pas contre. Mais vas-y frère, à un moment donné, tu peux pas ne pas garder Thiago Silva, au monstre quand même. Surtout qu'en plus de ça, moi, enfin je sais pas ce que vous en pensez là, pour ceux qui suivent un peu les différents championnats et tout, parce que moi c'est vrai que cette saison, je vais pas vous mentir, le foot, à part le PSG, je regarde plus. Mais de ce que je peux lire à droite à gauche, après c'est souvent des avis de Parisiens. Mais je pense que là, sur la saison, je parle bien sur la saison 2019-2020, donc la saison en cours, je pense que là, Thiago Silva, il est dans les meilleurs défenseurs il est dans les meilleurs défenseurs de la planète foot. Après, franchement, tu vois, c'est en étant objectif hein, que je dis ça, parce que, comme je vous dis, je vous demande votre avis, ce que vous en pensez de ce que je dis. Mais je pense que là, sur cette saison-là actuelle, je pense que Thiago Silva, là, il est dans les meilleurs défenseurs. Je sais pas vraiment qui est devant ou autre, mais je pense que là, sur cette saison, c'est l'un, si ce n'est le meilleur, tu vois. Thiago Silva, vous le prolongez pas, c'est une faute au vu de son niveau, à part si tu ramènes vraiment un top DC. Le problème, c'est que tu ramènes qui comme top DC? Koulibaly, je crois qu'il avait fait clairement comprendre qu'il voulait pas venir au PSG. Donc voilà, c'est mort. Sauf si tu lui lâches un salaire à 800 millions, vas-y, fin de l'histoire. Putain, par contre, je prends énormément de coups francs direct là, c'est déjà deuxième de suite. Le remplaçant, pour moi, c'était De Ligt, hein. Bon, on l'a raté. Bon, ça se passe pas forcément très bien, même s'il remonte, il monte en force un peu avec la Juve, là. Mais, putain, je vais pas perdre. Oh là là, attends, attends, attends. Attendez, attendez. On va se reconcentrer. On va demander plus. On va peut-être faire des changements, là, parce que ça va pas. Le Mohamed Marat, je peux même pas l'enlever, parce qu'il est très bon. Cheikh Timité, tu vas dégager. Et là, on va faire rentrer le mec un peu fatigué. On va faire sortir le mec qui est le plus fatigué des... Je vais perdre ce match. Non, je vais pas perdre contre le deuxième, comme c'est possible. Penalty, parfait. À part Vergil, il n'y a pas mieux, je pense, actuellement. Ouais, Van Dijk, franchement, j'ai pas trop regardé Liverpool cette saison. Mais je sais pas trop ce que ça donne Van Dijk cette saison. Après, comme j'ai, tu vois, franchement, c'est impossible pour moi de ne pas le prolonger, en fait, Thiago Silva. C'est vraiment impossible. Non, De Ligt, il a encore son skin. Bah, j'ai vu apparemment contre la Lazio, c'était pas top. C'est un peu bizarre. Mara, Mandouki. Oh là là, puis 3 pas! Le coaching gagnant, on a failli le faire le coaching gagnant. Attends, tu sais quoi, on va sortir lui, tac. Varane ou Umtiti, pourquoi pas? Le problème d'Umtiti, ça reste les blessures. Et Varane, franchement, il est pas bon cette saison. Enfin, j'ai regardé un peu le Real. J'ai pas regardé énormément de foot, mais j'ai regardé comme le Real. Et Varane, même contre nous. Et sur les matchs de l'équipe de France que j'ai regardé, voilà quoi, c'est. Oh là là, mais ça y est, regardez, on est. Regardez, ça y est. Je vous dis, on a trouvé le cheat code pour marquer. Comment tu expliques les purges du PSG? Franchement, je sais pas. Un manque de motivation. Franchement, je sais même pas comment l'expliquer parce que. Tourelle, tu le vois péter un plomb. Hein. Tourelle, il pète un plomb sur le banc, il n'en peut plus. Mais je sais pas. En fait, c'est depuis cette. Comment dire? Depuis cette purge à Madrid, enfin non, moi je pense que ça a commencé avec la deuxième mi-temps contre Marseille. Tu défonces Marseille sur la première mi-temps 4-0 et tu fais une des pires deuxièmes mi-temps de la saison. Hein. Et bah, depuis, tu sais, tu restes dans cette continuité-là en fait. Tu es une équipe suffisante qui attend. C'est bizarre.
Après, moi, comme je dis. Oh putain, Mara qui se pète. Putain, fait chier, Mara, il était chaud là en plus, il revenait bien. Mais du coup, comme je disais, ouais. Franchement, c'est. Tourelle, tu vois, moi je pense qu'il va partir. Parce que, de ce que. Enfin, si je dis pas de bêtises, son contrat se termine à la fin d'année. Donc il est pas, tu sais, en mode, vas-y. Fin d'année, le PSG décide de pas le prolonger, il part gratuitement, quoi. Il y aura pas, on va pas se retaper un truc à la Laurent Blanc en mode, on va devoir lui lâcher 50 millions d'indemnités, là. Mais voilà, au moins, c'est ça. Si, moi, je pense qu'il partira. Je pense que c'est pas un coach que veut Leonardo. Je pense que Leonardo, il a des idées en tête. Là, ça parlait de Carlo Ancelotti, hein, qui va sûrement bouger de Naples. Ça parlait aussi d'Allegri, qui est libre. Moi, Carlo, je vais pas vous mentir, je le prends. Je trouve que l'histoire de Carlo Ancelotti au PSG s'est terminée trop brusquement. Et moi, je pense que ça pourrait être une très belle histoire, tu vois. Après. Mohamed Mara blessé 2 à 3 semaines. Paf, évidemment, évidemment, évidemment. Toujours des blessés, toujours, toujours. Ça continue. Et je pense que Tourelle va aller au Bayern, justement, comme dit Younes. Je pense que. Comment, hein, comme. Je ne vais même pas m'abaisser à répondre à ça. Bien sûr, on s'abaisse pas. On vous répond même pas, vous, les gueux, là. Allez, à la benne. On est quand même Paris, on est des Parisiens. On est des Parisiens, je te le dis. Ouais, il y a un côté suffisance. Après, je pense pas que ce soit du melon, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est un truc. Je voyais là, ça critiquait la célébration d'Mbappé. En vrai, regardez, il s'est allongé sur le terrain, il a le melon. C'est une célébration comme une autre. Les mecs, ils se tapent tous des délires entre eux sur les célébrations. Ça dit, il a le melon. Franchement, ça, c'est pareil, c'est un autre débat. Mais non. Après, que le mec soit sûr de lui ou autre, tu dis, il a le melon, vas-y, moi, je veux bien. Mais. Là, à un moment donné, tu vois, pour moi, y a rien en fait. Féliciter Mara pour sa récompense. Putain, merde, j'ai oublié de le féliciter. Mais ouais, c'est vrai que Mara, il a fait un gros mois. Il a fait un gros, gros mois, là. Du coup, ça en avance. Carlo veut qu'il veuille revenir aussi parce qu'il s'est. Après, bon, il s'est fait têche comme une merde, c'est vrai. Mais bon, il était bien content de partir. Mais regardez les blessures d'un coup. Rabiot, 5 à 6 semaines, tac. Lopez, bon, ça va, c'est un jour. Mais les blessures dans ce club, il y a un gros, gros problème. Franchement, la D2 sur les blessures, c'est super chiant. Mara, équipe type de la semaine, des Marconnets, ouais. Putain, des Marconnets alors qu'il a pris 2 buts. Alors là, je peux vous dire, ça va être compliqué, hein, parce que putain, elle est blessée, c'est horrible. Franchement, c'est chiant ça. Je vais remettre Ménès parce que j'ai pas le choix. Je vais mettre Kikunda parce que bah, Rabiot il s'est pété et ça me fait chier. Regardez les blessures dans ce club. Mais franchement, les gars. Fais un chemin, fais un chemin, arrêtez. C'est une hécatombe. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à devoir ressortir des petits jeunes là, parce que. Mais tu sais quoi, j'ai même personne là sur le banc. Attends, je vais être obligé. Non, je suis obligé là d'aller sortir un. De sortir un mec de ma réserve parce que j'ai personne. J'ai même plus de milieu remplaçant si j'en ai un qui se pète ou si je prends un rouge. J'ai personne là pour faire des remaniements. C'est incroyable ça. Attends, poste. DCMD. Non, poste. Alors MC, on va prendre les meilleurs en direct. Hein. On va se prendre la tête. MD, MC. Antoine Mouamakou. Voilà. 21 ans. Tac. On va prendre lui. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On va les mettre eux comme ça sera fait. Tactique. Et je vais en mettre un sur le banc. Ils sont ouf. Il est là. Tac. Voilà. Validé, validé. Tu situes où Tourelle par rapport à Blanc et par rapport à Emery?
Franchement, c'est compliqué parce qu'en fait, Blanc, il avait le meilleur PSG qu'on a eu ces dernières années, tu vois. C'était le PSG le plus équilibré. T'avais peut-être pas la profondeur de banc qu'on a actuellement, parce que là, faut dire ce qu'il y a, on arrive quand même à, malgré toutes les blessures qu'on a et tout, on arrive plutôt à bien tourner et on est quand même déjà à 30 joueurs utilisés cette saison. Donc ça montre qu'il y a quand même une certaine profondeur. Alors après, bon, voilà. Mais non, le truc c'est que Laurent Blanc il avait le meilleur PSG, il avait Zlatan, il avait dit Ravière, Maxwell, Mota, Verratti, Matuidi qui était, même si voilà, Matuidi était critiqué et à juste titre, hein. C'est le trident Matuidi, Mota, Verratti, c'était voilà, c'était le trident du Paris Saint-Germain, c'était ce PSG-là était ultra 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 puissant. Et d'ailleurs, je pense que c'était limite le PSG qui avait le plus de chances d'aller chercher une Ligue des Champions, tu vois. L'année où on se fait taper contre City, c'est une faute d'ailleurs. Et je pense que c'est cette année-là où on est vraiment le plus proche. Je pense qu'en termes de niveau ou autre, c'était vraiment le PSG le plus fort qu'on ait eu en fait. Et c'est, je pense, cette année-là. Si genre il y avait une année où on aurait dû aller la chercher avec des champions, c'est cette année-là. Après, il y a eu des choix, il y a eu des trucs. Je pense aussi il y avait. Ils avaient envie de changer, tu vois, parce qu'à un moment ça tourne pas, tu te dis ouais bah ça peut-être c'est peut-être le coach le problème, tu vois. Emery il arrive, bon Emery on a vu du gros gros football avec Emery, mais bon, c'est terminé en eau de boudin une fois la remontada terminée. Ouf, ça y est, c'était mort. Après il récupère Neymar Mbappé, bon, comment te dire? T'as Neymar Mbappé, bon c'est logique que tu fasses un triplé, hein. Même si on l'a pas fait l'année dernière avec Tourelle. Mais de toute façon, le problème de ce groupe, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein. Tu regardes, dès que ça se mange une remontada, ça s'écroule. Après Manchester United, c'était des cadavres. Heureusement qu'en fait, le PSG de l'année dernière fait une première partie de saison démentielle. Parce que on s'écroule totalement en championnat. On n'a pas autant de points. Je me dis, peut-être que Lille. Enfin non, on avait vraiment trop de points d'avance, tu vois. Par contre, cette année, tu vois, si ça continue comme ça, avec Marseille, si on refait une même fin de saison que l'année dernière. Attention, attention. Lis ce que j'ai mis, tocard. Younes, Younes, Younes. Moi, ça ne choque pas, il peut prendre le melon, mais il doit prouver sur le terrain et pas en Ligue 1. Donc, Younes qui parle d'Mbappé. Et pour le moment, avec le PSG, il n'a pas été décisif quand vous avez besoin de lui, en plus en Ligue des Champions. Ah non, c'est sûr qu'il n'a pas été encore vraiment décisif. Hein. Alors, certes, il marque à l'aller contre United, même si c'est pas lui l'homme du match. Mais le retour. Match retour de Mbappé à United. Enfin, au parc contre United. Voilà quoi. Des glissages, il lève pas la tête. Très très compliqué. Très 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 compliqué. Après, c'est vrai que là, on a quand même une grosse équipe encore. Même si je pense que ces dernières années. Putain, c'est chaud, c'est tendu, on se fait allumer là. Ces dernières années, en fait, c'est vraiment la première année depuis qu'on a récupéré Neymar et Mbappé où on a réussi à se reconstruire. Parce que. Comment? L'arrivée d'Mbappé-Neymar, même si c'est bizarre de dire ça, elle nous a fait mal en fait. Dans le sens où financièrement, bah, t'es ultra dépendant de ces deux joueurs-là, ça te fait un trou dans ton budget, tu veux pas forcément recruter à certains postes ou autres. Et du coup, vas-y, c'est compliqué, on va pas se mentir, hein, c'est financièrement, notre gros problème c'était le milieu de terrain ces dernières années. Donc là, on a enfin récupéré un milieu intéressant. Même si je pense que va peut-être falloir arrêter de faire jeu Marquinhos en 6, parce que Kimpembe, bon là il s'est blessé, mais bon c'est Kimpembe, voilà, c'est très compliqué. Mais je trouve que Diallo est très bon d'ailleurs. Je trouve que Diallo est très bon sur ses dernières apparitions. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça, si tu peux faire un Haaland cet hiver, même si c'est vrai que c'est pas réellement un 6, c'est vraiment pas réellement une pointe basse ou autre. Mais ça pourrait faire du bien, quoi. Ça pourrait faire du bien et ça donne des options supplémentaires. Ah, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas de 11. Notre 11, on l'a toujours pas vu, le 11, hein. Réellement, tu l'as pas vu. Bon, tu sais plus ou moins ce qui se dessine en attaque, hein. Et encore, tu sais pas réellement parce que Di Maria, c'est compliqué de foutre un Di Maria sur le banc, hein. Parce que là, on a joué sans Di Maria contre Montpellier. C'est ça qu'il faut pas oublier qu'on joue sans Di Maria. Ah, offensivement, c'est ultra puissant le PSG cette année, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, à d'autres postes, ça manque d'équilibre. Et on a enfin récupéré un gardien. Ça, par contre, c'est le gros plus. Hein. C'était un truc qui posait problème toutes les dernières années. On n'avait pas de gardien. Là, c'est pas on a récupéré un gardien. Si on a récupéré le gardien, on a récupéré le mec qui manquait à ce club. C'est pas possible. On a récupéré The Crack.
Le monstre. Et les blessures aussi, Younes, c'est un gros problème. D'ailleurs, j'arrive pas à l'expliquer, hein. Je comprends toujours pas. Parce que là, on la connaît, la chanson, hein. C'est comme d'hab, hein. Ça, février et mars, ça va se péter dans tous les sens encore. Parce que quelque part, on est maudit, tu vois. Il y a un côté maudit chez ce club. Et ça, c'est indépendant de nous, ça, on souffre, hein. Quelle heure le crack? Ah là, c'est même plus un crack, c'est un... Je vais pas te mentir. Avant, quand il y avait des frappes, j'avais peur. Là, maintenant... Je suis comme un serein, au calme. Alors je sais que c'est un gardien qui est capable de faire des bourdes. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je dis pas qu'il n'en fera pas. Mais vas-y, vas-y, c'est trop, c'est trop. C'est quand il est en confiance là, comme il est actuellement. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Tu peux rien faire contre un mec comme ça, c'est trop. Contre le Real, son match, mais laisse tomber, c'est... Je vais perdre. Bah, je m'attendais pas forcément à gagner contre Lorient. Après, c'est dommage parce que c'est moi qui menais. Et au niveau des occasions, j'étais plutôt bien. Après, voilà, on va perdre, hein. C'est la vie. De Marconnet, hop. Mandouki, Sarr. Est-ce qu'on va en avoir une dernière qui nous permettra justement... Youhou, Martin. Ça. Allez, allez. Putain, la perte de balle à la con. Heureusement que Courtois commence à monter un peu, parce que sinon j'aurais pleuré Navas. Bon, même s'il monte, hein, tu peux le pleurer. Je pense quand même que Navas est un meilleur gardien que Courtois. Hein. Voilà. Bon, bah la première défaite en 4-2-3, on était quand même à 8 matchs. Putain, 3 semaines. Mais arrêtez, s'il vous plaît. J'ai... Oh, les blessures là. Bon, c'est ce qui est bien, c'est qu'après cette défaite, on va jouer contre une petite équipe. Donc, on va pouvoir refaire le plein de confiance, plus ou moins, en leur mettant une branlée. Ce qui est plutôt toujours cool. Le mec, il s'en prend que aux faibles. Le gros lâche. Oh, petit. Allez, venez, venez. Venez, petit. On est juste en train de regarder le calendrier. Là, on a 16 matchs joués déjà. Donc, du coup, 1, 2, 3. Ouais, bah ouais, c'est plutôt intéressant ça. Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à Sochaux là pour aujourd'hui. Puis après, on fera plus. On arrêtera là quoi. On va faire les 3 derniers matchs. Comme ça, on aura pas mal avancé. On sera quasiment à la fin de la première partie de saison. On sera aux vacances de Noël, quoi. On sera aux petites vacances de Noël. Les joueurs, ils feront leurs cadeaux, tout ça, à leurs enfants. Fais grève ce soir. Non, je peux pas, je peux pas. J'ai déjà dit que j'étais là et c'est moi le responsable. Donc je peux pas. Ah, moi, ça m'arrange, hein. Comme ça, je fais des sous, les gars. Philippe Sade, on va le mettre sur le banc, lui, c'est pas un problème. Allez, c'est parti, on enchaîne, hein. Pauvre type. Oh, monstre, t'es meilleur. C'est quand le Classico, d'ailleurs, c'est pas cette semaine, là? C'est pas cette semaine le Classico d'ailleurs, Younes? Parce que je vois, tu parles du Classico là. Non, ils l'ont décalé à quoi? Ils n'avaient pas décalé en janvier? En décembre? Pas un truc le 15 décembre ou je sais pas quoi? Non. Semaine pro. C'est en semaine, hein? C'est en milieu de semaine, c'est ça? Je crois qu'il n'y a pas la Coupe de la Ligue la semaine prochaine en plus en milieu de semaine. Oh putain, tu vas voir qu'ils vont trouver le moyen de foutre le Classico en même temps que le match du PSG. Je crois qu'on joue Le Mans. L'AS Vitré là. Il se passe quoi? Il y a pas au hasard, non? Bah non, il n'y a pas hasard. Meunier lui a pété.
Il l'a pété en deux, frère. T'as bien vu, t'as bien vu le PSG, t'as bien vu le Real, t'as bien vu le match de Meunier, il a rien foutu, il a juste blessé Hazard. Ça va. Hors jeu, oh putain. Mais attends, mais là je suis en train de perdre contre le AS Vitré là quand même en Coupe de France là, ça va pas là. Il se passe quoi les gars? Oh les gars, oh! Oh, s'il vous plaît, allez! Classement. Non. J'ai regardé calendrier PSG. Le Mont PSG, mercredi 18. Oh, c'est à quelle heure le Classico? Putain, le Mont PSG, ça va être en... Oh non, mais c'est des chiens, putain, ils sont relous. Et on joue à Amiens le samedi 21. Ok, très bien. Putain, PSG Le Mans, c'est en même temps que le Classico, relou. Mais attends, mais je suis vraiment en train de me faire péter le cul par l'AS Vitré, là. Mais c'est... Non, 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 non. S'il y a 3-0 à la mi-temps. Agressif. Mon Dieu. Regardez tous les cartons que j'ai. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah vas-y, je fais mes trois changements maintenant. Je vais prendre un rouge forcément, parce que sinon ça va pas être drôle. Mais ouais, bah on va perdre ce match. Mais c'est incroyable ça. Et j'étais tout content, en mode ouais. J'ai perdu contre Lorient, je vais pouvoir me refaire une santé contre la petite équipe. Ma bite 2-0 pour eux. Ah ouais, super. Oh. Bon, par contre, les gars, faudrait peut-être. Ouais, non, mais là, va vraiment falloir se réveiller parce que c'est pas possible. On perd vraiment là. C'est pas drôle. C'est pas drôle ce qui se passe. On avait super bien commencé le live, on avait enfin enchaîné des victoires. Et on va enchaîner des défaites. Je vais être éliminé de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. J'avais des objectifs en plus dans ces deux coupes là. Oh putain la honte. Oh la honte. En fait je crois que mes gens ils veulent que je me fasse virer. Je vois pas d'autre explication. Très offensive, on n'a pas le choix. Même s'ils savent pas faire. J'ai pas les mots là. J'ai pas les mots pour ce qui se passe. Je sais pas. Bah, c'est une défaite. Hein. 3-0, mon frère, ils vitraient. Ils sont quoi? Ils sont en National 2. Oh. Oula, attention. Le rouge à 9 minutes de la fin. Est-ce qu'en 9 minutes. Ouais, non, on peut pas le faire, on est des merdes.
On peut pas le faire, on est des grosses merdes. T'es mort, on a même pas une occasion, putain. Allez hop, on engage et c'est fini. J'ai pris un triplé par Terence McNgo quand même. Je sais pas qui c'est. Il a 9 en finition, mais un triplé, en doublé. Wesh, c'est quoi ça? C'est un scandale! Mais c'est un scandale ce qui... Oh là 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 là, mais c'est honteux ce qu'ils viennent de faire mes joueurs. Franchement, là, je vais me faire licencier. Ils vont me virer là, le PFC. Ils vont virer Pep Guardiola. ,444 followers, Fatma. Et bah merci. Hein. N'hésitez pas à sub hein, d'ailleurs hein, pour ceux qui ont des Twitch Prime qui se sont remis tout ça à zéro. N'hésitez pas à soutenir le 91 HD via des subs, hein, ça fait toujours plaisir. On se remet à streamer là, ça y est, sérieusement, pour de vrai. Ça y est, je ne lâcherai pas le steak. N'hésitez pas. Hein. Si vous avez des Twitch Prime, des sous qui traînent. Le sub tier 2, c'est-à-dire le sub à 10 euros, vous avez un émoticône spécial pour vous. Mais un émote qui ne rigole pas, hein, je vous le dis. Ah, c'est le meilleur émoticône que vous pourrez avoir. Hein. Regardez-moi cette émote, juste. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'émoticône, les gars. Ça, c'est Pep, hein. Pourquoi David, hein, je fous la merde d'entrée? Denis malade. Macombo malade. Mais attends, 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 attends. Mais ce club, il est maudit. Il y a des... Il y a la peste là-dedans. C'est pas possible. Vous savez quoi? On va jouer contre Chambly. On va au moins faire ce match contre Chambly. Je vais arrêter après. Parce que j'avais dit que je couperais avant 21h30. Il est 21h24. Donc, on va quand même faire ce dernier match. Est-ce qu'on va enchaîner une troisième défaite d'affilée? C'est pas probable. Et on joue le dernier. Bon, on a pris 3-0 par une nationale 2. Clairement, c'est nous, on vient d'être dernier, je vais vous mentir. Mais ouais, non, bah vas-y, hein, c'est parti, on va enchaîner. Et si on peut. Si on peut y aller, si on peut y gagner, c'est le moment ou jamais. Hein, oui, tu vois pas pourquoi tu poses la question. Canard. Inch'Allah, tu perds. En fait, vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux de ma réussite. Ou pas. Il n'y a pas de réussite, on pue la merde. Il n'y a pas de réussite dans ce club, on est vraiment naze. Bon, donc c'est parti, Jérémy Ménez, 100% de ses moyens, c'est super. Youhou, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il est baissé, hein, Philippe Sade, tu vas jouer, t'as pas le choix. Enfin non, il est suspendu plutôt. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de toutes ces blessures, toutes ces conneries là. Et allez, c'est parti, on enchaîne le dernier match de ce live, de cette vidéo, de cette rediff pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Du coup. Agressif. Oula! Ils sont tous remontés à bloc. Ça a pas marché, on va se prendre une branlée, vous allez voir. Je t'ai dit, Fat, quand on jouera en club, je vais te défoncer. Moi, je vois que le football, ça t'intéresse pas. Toi, c'est plus la bagarre. Et bah, sache qu'on répondra présent à ce défi physique que tu comptes m'infliger. On sera là. Puis trois pas! Hein non, toujours pas.
En tout cas, ça aurait été encore une fois un live plein d'enseignements avec ce PFC. Et on comprend que c'est une équipe vraiment merdique. En fait, je crois que j'ai mis trop de buts d'un coup et que ça, j'ai totalement défoncé mon quota but pour le live. Même pour jusqu'à la fin de la saison. Et je pense but en deux matchs. C'était du jamais vu dans l'histoire du club. On a réussi à le faire, voilà. Maintenant, les mecs ne veulent plus marquer. D'accord. D'accord, Kikunda. Je vois que toi, ça t'a énervé ce que j'étais en train de dire. Toi, t'as du caractère, et ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant, ça, ce caractère-là. Ah, c'est même pas contré, c'est ça passe à côté, très bien. Un tir cadré, un but. Comment ça se fait, vous avez autant d'émoticônes, vous? Ah, c'est des émotes offertes, très bien. Ah, en gros, si tu restes à squatter sur les lives, tu grattes des émotes. Ok, très bien. C'est quoi, on va passer en offensif, hein, on n'a pas le choix. En fait, je crois que c'est ça, c'est dès que je passe en offensif, en fait, je me fais voir le boule. C'est des émotes offerts. Ah non, mais en fait, moi je pensais que c'était des émotes genre de live. Comment dire? Des émotes en mode. Comment? Tu sais, tu grattais des émotes de gens qui étaient. Qui sont. Des émotes de gens de live en fait. Genre par exemple, je sais pas, je regarde le live de Yomax, il y a quelqu'un qui sub. Je gratte des émotes à Yomax en fait. Je croyais que c'était ça moi le truc. Ou là, c'est des émotes que Twitch donne en fait. Ça t'offre des émotes de Twitch. Non, d'accord. Mais ça veut pas rentrer! Franchement, c'est pas possible d'être maudit comme ça, là! Pitroy pas. Des émotes de Twitch, ok, très bien. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Lopez, ah putain, et ça veut vraiment pas, hein, ça veut vraiment pas, les gars. D'ailleurs, est-ce que Braque est en live? Juste dites-moi que je sache, parce que j'ai mon Twitch Prime qui s'est remis. Donc j'ai un sub à lâcher. Et il est pour Braque, un cop. Ouh, mon Dookie, bien joué. Bien joué, mon Dookie. Là, tu me fais plaisir, mon Dookie. Non, il live pas. Arf. Je vais le garder alors pour ce week-end de fut champion de Braque. Je me sois pile à un moment où il sera en train de perdre un match. Parce que je sais qu'il déteste ça. Et du coup, on va faire chier notre ami Bracou comme ça. Parce que j'adore Braque. Qui aime bien châtie bien, comme on dit.
Si je prenais le 2-2 là maintenant. J'ai peur. Mes joueurs, ils font n'importe quoi. Allez, pitoy pas, pitoy pas. Pitoy pas. Pitoy pas. Ouh là là. Jouez le temps, jouez le temps. Le poteau de corner. On peut pas dire à un mec qui vient au poteau de corner et joue le temps, non, ça marche pas. Au final, c'est bien quand vous jouez pas. 3-1, puis try pas. Bon, bah, Ancelotti licencié demain, ça officiel. Et voilà, du coup, on a réussi à l'emporter. On a réussi à se remettre vers l'avant. Hein. Non, non, je vais pas sauvegarder ce match. Suite à cette victoire, enfin une victoire qui fait du bien. Du coup, on va s'arrêter là-dessus. Donc, on a 17 matchs joués. On est. Bon, si jamais Nancy fait nul ou gagne, il passe devant nous. Mais voilà, on se situe entre la 10e et la 11e place. On est quand même revenu à 5 points de la 5e place. 7 de la 2e. En vrai, il n'y a pas tant d'écart que ça, hein. 7-8 points et 8 points de la première place. Bon, je pense que la première place, la deuxième place, ça va être très compliqué à aller chercher. Mais très clairement, il y a quand même moyen de jouer un truc, hein. Tu vois, je pense que les barrages, c'est jouable encore. Ça reste jouable, les barrages. Surtout que là, on se remet enchaîné. Alors bon, ce qui fait chier, c'est qu'on a été perdre ce match en Coupe de France. Tu vois, au final, regarde, prestations, 22%, 41%. On s'est déjà fait sortir très rapidement des différentes coupes et ça c'est problématique. Après ça va nous laisser du temps du coup, ça va nous laisser du temps, sachant qu'on a quand même énormément de blessures, hein, ça c'est vraiment le gros problème du club. Mais au moins ça va nous laisser du temps, ça va nous faire des matchs en moins. Du coup StéphaneMat91HD, pour ceux qui vont regarder cette rediffusion YouTube, bah, c'est StéphaneMat91HD pour du Football Manager. Si t'as kiffé cette rediff, pouce bleu comme d'habitude, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille. À tout le monde, je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous. Ciao.